Écoutez, d'abord, je veux ici dire l'émotion de la nation tout entière. Après, ce qui est arrivé et la mort de jeune Naël, et de dire à sa famille toute notre solidarité et l'affection de la nation. Nous avons un adolescent qui a été tué. C'est inexplicable, inexcusable. Et d'abord, ce sont des mots d'affection, de peine partagée, de soutien à sa famille et à ses proches. Ensuite, la justice a été immédiatement saisie. Je souhaite qu'elle fasse son travail avec évidemment célérité et dans le calme que ce travail requiert, et que la vérité puisse être faite dans les meilleurs délais, et que, évidemment, nous soyons tous informés que la justice passe. Et puis, je remercie l'ensemble des élus, le maire de Nanterre et tous les élus qui se sont exprimés. Le ministre de l'Intérieur s'est exprimé ce matin. Je pense que dans un tel contexte, il faut de l'affection et du respect pour jeune Naël et sa famille et ses proches. Il faut le calme pour que la justice se fasse. Et il faut du calme partout, parce que nous n'avons pas besoin d'avoir en effet un embrasement, une situation qui viendrait se dégrader. Est-ce que la France, des forces de l'ordre ont dit clairement sur les réseaux sociaux qu'il vaut mieux un voyou mort qu'un policier mort? Je pense qu'il y a... Est-ce qu'il n'y a pas un problème entre la relation entre la police d'abord, et certains éléments? Je veux ici dire de manière très claire que la police, comme la gendarmerie, qui sont des femmes et des hommes qui viennent aussi de tous les quartiers de la République, s'engagent pour vous protéger, nous protéger et servir la République. Et je les remercie chaque jour de cela. Et quand on entend Monsieur le Président... Et donc, ils ne servent qu'une chose, c'est les lois de la République. Et quand on entend Monsieur le Président... Et donc, ils le font dans un cadre déontologique qui est défini, qui doit être respecté. Et donc là, la justice a été immédiatement saisie, la justice doit passer, et c'est à la justice d'assigner les responsabilités de passer, et je veux ici que tout le monde ait le respect pour la victime et sa famille. Merci. Et le respect, c'est l'affection de la nation, et dire que rien ne justifie la mort d'un jeune.